Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous pouvons profiter de ce temps de repos de diverses manières. Pourtant, prendre le temps pour redécouvrir l'amour et la puissance de Dieu nous fera prendre conscience qu'il est présent dans nos vies. Toi, ne prends rien, si ce n'est le courage de lui remettre tes bagages. Thank you.
voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Aussi parce que la fidélité de notre Dieu se renouvelle chaque jour, que nous voulons prendre maintenant un moment en prière
et je vous invite à prendre la position qui vous convient pour ce moment de prière. Eh bien, mon Père Céleste, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour et merci parce que tu es un Dieu qui pardonne. Père, tu connais nos cœurs et tu sais dans quel état nous sommes ce matin, pourquoi nous sommes là. Et nous voulons vraiment, Seigneur, t'ouvrir nos cœurs et te demander de nous toucher, de nous parler, de nous fortifier ce matin. Nous pensons, Seigneur, à toutes ces personnes qui nous entourent, qui nous sont chères et qui souffrent, qui sont malades. Nous voulons prendre un moment maintenant, chacun personnellement, dans notre cœur, pour te les confier en te les citant. Et nous voulons, nous aussi, Seigneur, nous remettre entre tes mains, te confier nos familles et te remercier, Seigneur, de ce que chaque jour de notre vie, même si on ne le voit pas toujours, eh bien, tu es là à nos côtés. Tu nous bénis. Aussi, Père, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir toutes tes bénédictions dans nos vies, qu'on puisse être centré sur toi, est vraiment rempli de toi. Merci aussi, Père, de faire de chacun de nous des bénédictions pour chaque personne que tu places sur notre route. Des canaux de ton amour, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous entourent. Et qu'en tant qu'Église, nous puissions nous aimer, nous puissions nous entraider, nous puissions nous fortifier les uns les autres, dans l'attente, Seigneur, de ton retour. Qu'on puisse s'encourager réellement à rester les uns et les autres attachés à toi et avoir les yeux fixés sur ce retour qui est proche, Seigneur, et que nous attendons tellement. Que toute la gloire te revienne, Père, et que ce culte que nous voulons t'offrir maintenant te soit agréable. En Jésus, amen. Bien, j'aimerais maintenant inviter tous les enfants à s'avancer. Jean-Michel a une belle histoire pour vous, alors n'hésitez pas à venir. Voilà, on va attendre que tout le monde soit là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la main là ? Un caillou. Un caillou. Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire de ces cailloux qui sont aussi des pierres. Alors, chacun de ces cailloux, il voulait faire quelque chose pour Jésus.
Ils voulaient être utiles. Mais le problème, c'est qu'ils se trouvaient tous d'un côté du fleuve ou de la rivière, et puis ils auraient voulu faire quelque chose de l'autre côté. Alors, quel est le problème ? Est-ce qu'un caillou peut nager sur l'eau ? Ricochet ! Non, mais si on met un caillou sur l'eau, qu'est-ce qui va se passer ? Il va couler. Il va couler. Pourquoi ? Oui, pourquoi il coule ? Oui. Il est lourd. Alors, il y a le caillou, oui ? Ouais, mais si tu fais un ricochet, ça lui fait mal au caillou. Et nous, on ne veut pas faire mal au caillou. Alors, le premier caillou, il s'appelle gentillesse. Alors lui, il dit, j'aimerais bien, moi qui m'appelle gentillesse, faire quelque chose pour les autres. Mais je ne peux pas aller de l'autre côté. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle... générosité. J'ai envie de donner plein de choses, mais je ne peux pas aller de l'autre côté, parce que même que je suis gentil, si on me met sur l'eau, je vais couler. Et puis il y en a un qui s'appelle colère. Alors lui, il dit, eh ben, moi, c'est même pas la peine d'y penser, parce que en plus d'être lourd, moi, je vais vraiment couler au fond. Et puis il y a le caillou qui dit, moi, j'ai pas le temps. J'ai jamais le temps pour les autres. Et puis, le dernier caillou, lui, c'est le caillou, c'est un combattant. Lui, il est toujours en train de se battre. Et alors, lui, il dit, ouais, mais moi, est-ce que je peux me battre pour le Seigneur ? Alors, ils ont discuté ensemble, et puis ils se sont dit, oui, mais on est tous les cailloux, mais nous, on croit en Dieu. Et on a donné notre cœur à Jésus. Alors, le caillou qui avait donné son cœur à Jésus et qui s'appelait colère ou bagarre, eh bien lui, Jésus, il veut bien lui enlever le poids de sa méchanceté. Mais maintenant, le problème c'est comment... Là, il y a plein de choses qui sont prêtes. Il y a plein de possibilités. Mais pour qu'il puisse être utile à quelque chose, pour que les pierres ou les cailloux on puisse les prendre pour construire un mur avec ou pour faire une belle maison, il faudrait qu'ils aillent de l'autre côté du fleuve ou de la rivière. Alors, maintenant, les enfants, je voulais vous poser la question. Quand on a donné son cœur à Jésus et qu'on croit en lui et qu'on doit passer de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut demander de l'aide à Jésus. Il faut faire confiance à Jésus. Alors ils ont dit, bah, écoute Seigneur, nous, on veut te donner notre cœur, on te fait confiance. Ça va, tout le monde écoute ? Oui, merci. Alors, oh, et alors, il y en a un qui a une idée. Ben, si, pour aller de l'autre côté, on prenait un bateau. C'est vrai que le bateau, il est lourd aussi. Qu'est-ce qui est plus lourd ? Est-ce le bateau ou la pierre ? Le bateau ? Non, en vrai, un vrai bateau est plus lourd qu'une pierre. Voilà, mais vous voyez, le bateau, c'est comme quand on croit en Jésus et qu'on croit en Dieu. C'est comme si on monte à bord d'un bateau et sur ce bateau, regardez. Je vais attendre que tout le monde regarde. Donc je disais, quand on a donné son cœur à Jésus, qu'on croit en Dieu, qu'on a la foi, c'est comme si on allait mettre sur le bateau tous les cailloux, et puis s'il y en a un qui tombe, eh bien quelqu'un va nous aider, on le ramasse, et grâce à la foi, quand on a donné son cœur à Jésus, eh bien Jésus... Il nous permet de monter à bord de son bateau et avec la foi, on peut traverser la rivière, on peut aller de l'autre côté et alors on peut mettre à son service tous les talents qu'on a, la générosité, le temps qu'on veut se prendre. Et même si on a envie de se battre, et bien maintenant, au lieu de se battre contre les autres, on va se battre contre le mal. Est-ce que vous avez compris ? Donc, on a quelque chose
on a envie de faire, mais c'est Jésus qui nous permet de traverser la rivière ou le fleuve, et quand on arrive de l'autre côté, avec lui, on peut faire quelque chose. Tous les talents qu'il a mis à notre disposition, on peut les utiliser pour les autres gens, mais par la foi, il faut traverser le fleuve. Ou bien, pour prendre une dernière image, pour moi, Dieu, il veut agir pour nous, ça, on l'appelle la grâce, et puis Dieu, il demande que moi, je croie en lui. Alors, quand la grâce de Dieu, quand sa main rejoint la mienne, qui est la foi, alors on peut faire quelque chose, on peut traverser le fleuve et on peut être utile à quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Oui. Ok. Eh bien, voilà. Merci d'avoir écouté et vous pouvez retourner chez vos parents. Une église est un corps. Ça, vous le savez, il suffit de relire la Bible et en particulier le Nouveau Testament pour se rendre compte que tous les membres mis ensemble constituent un corps et ce corps a une tête. C'est le Christ, notre Seigneur, notre Créateur, notre Sauveur aussi. Mais un corps, il vit, les membres se rassemblent, les membres prient, chantent, se tournent vers les autres, s'activent, prêchent la parole, ils vivent tous ensemble. Et dans une église, dans un corps, bien nous avons besoin de personnes qui s'activent dans différents domaines en fonction du choix que l'église a proposé à ces personnes de faire, d'accomplir, en fonction des dons qu'elles ont reçus. Et l'église de Collonges est comme les autres églises, avec quantité d'activités et un bon nombre de personnes qui gèrent ces activités pour que le corps soit vraiment vivant. Lorsque nous relisons le Nouveau Testament, nous nous apercevons qu'il y avait des personnes, femmes et hommes, qui étaient des serveurs littéralement. C'est-à-dire, très souvent, des interfaces entre une activité et une autre, entre des personnes et d'autres personnes. On les appelle des diacres. Et si on traduit le mot diacre, qui originellement est un terme grec, eh bien ça devient un serveur, pas un serviteur. Un serveur, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve entre une chose et une autre, entre une personne et une autre, entre une personne et une chose, entre les deux, et qui rend des services. Et nous avons à Collonges deux grandes équipes de sœurs et de frères qui font beaucoup de choses pour que l'Église vive, parfois dans l'ombre, sans qu'on les voie, mais elles sont à l'accueil, elles ouvrent les portes, elles récoltent les offrandes, elles s'activent pour que les lieux de culte soient propres, elles s'organisent pour les baptêmes, pour la Sainte Cène, elles visitent les personnes à domicile, elles s'occupent des nécessiteux. Vous voyez que le cahier des charges est vaste et il est quasi infini. Et dans le Nouveau Testament, ces personnes qui ont été choisies sont mises à part pour ce service par la prière. Et comme nous l'avons fait il y a quelques semaines pour les nouveaux anciens qui ont intégré l'équipe des anciens, nous le ferons aussi aujourd'hui pour
les diaconesses et les diacres que vous avez déjà vus en activité pour certains, pour d'autres ils sont nouveaux dans l'équipe, ils se joignent à cette équipe et nous voulons aussi que toute la communauté se mette ensemble et prie pour ses sœurs et pour ses frères pour que leur activité puisse porter des fruits et que le message puisse être prêché partout où ils seront et où ils iront. Alors, nous avons parmi ces personnes qui soit ont intégré cette équipe des diaconesses et des diacres, soit l'ont intégré il y a longtemps déjà, les noms suivants. Pour les sœurs, Dana Cisniarova, Danielle Favre, Maria Fursi, Sylvia Julie, Mila Monnier, Rodica Slavitescu, Vania Venancio et Domingas Ilifna. Parmi les hommes, Florine Ansiou, Jedidja Marie, Maui Tepa, Sébastien Moukir, Xavier Jean-Marie. Alors il y aura parmi les sœurs une absente qui vient de mettre au monde son bébé, Domingas Ilifna, et puis un absent parmi les frères Xavier Jean-Marie. À cela s'ajoutent deux frères que vous connaissez aussi, André Honoré et Elie Yoldi. Ces deux frères avaient déjà été consacrés anciens dans leur église respective avant de venir à Collonges, mais ils se joignent à l'équipe des diacres aussi. Alors ce que je vous propose, pour que nous puissions aussi tous bénéficier de ce temps de prière, de bénédiction, de consécration, c'est que les personnes que je viens de citer se joignent à moi ici sur l'estrade, cette nouvelle équipe qui se joint à l'équipe déjà existante, Dana, Daniel, Maria, Sylvia, Mila, Rodica, Vania, Florine, Jedidja, Maui, Sébastien et André et Elie. Merci de venir jusque vers moi. Vous pouvez vous mélanger entre hommes et femmes. C'est une seule et même équipe, des fois séparée pour les besoins de la cause. Et puis je vous proposerai ceci. C'est le pasteur Ralph Wegner qui prononcera la prière de consécration. Je demanderai aussi aux anciens de l'Église et aux pasteurs de cette Église de nous rejoindre, mais en même temps de descendre en faisant une chaîne de cette estrade, à toute l'Église de se lever, de se donner la main. Alors on va demander peut-être aux plus jeunes qui sont tout au fond sur la galerie, s'ils m'entendent. Les jeunes qui sont tout au fond sur la galerie, vous allez descendre le long des escaliers pour pouvoir faire la jonction avec le parterre et la galerie. Et tout le monde se donnera la main et le pasteur Ralph Wegner prononcera une prière de consécration pour nos nouvelles diaconesses et nos nouveaux diacres. Merci de le faire dans le silence. Merci aux anciens et aux pasteurs de bien vouloir nous rejoindre ici sur l'estrade et de descendre en même temps ces escaliers. Je vous invite à faire silence pour la prière. Merci. Oui, notre Dieu, bon Père Céleste, voilà, nous nous présentons devant toi en tant qu'Église, mais spécialement pour les diaconesses et les diacres qui ont accepté de s'engager dans notre communauté à Collonges. Tu sais, Seigneur, que ce n'est pas toujours facile d'être là, d'aider, de soutenir, d'encourager, de recevoir parfois des remarques pas trop délicates, d'avoir une famille encore à côté. Mais Seigneur, si les diacres et diaconesses veulent s'engager pour te servir, ils en sont conscients, c'est seulement avec toi qu'ils peuvent le faire, Seigneur.
C'est pour cela que nous demandons de déverser sur eux ton Esprit Saint, de fortifier et fructifier les compétences qui sont les autres, les leurs, et que nous, qui sommes autour d'eux, les autres, nous puissions nous tenir prêts à comprendre, à soutenir et aussi à nous engager, Seigneur. Mais nous voulons tous nous présenter devant toi avec humilité. Nous voulons tous te demander de donner force et courage à ces personnes qui sont là, ici sur l'estrade, qui se présentent devant toi, Seigneur, afin que le service qui sera rendu pour ta gloire, Seigneur. Reste avec nous en tant qu'Église et accompagne-nous, soit avec les familles que nous représentons, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Le texte de ce matin se trouve dans Marc 6, 35 à 44. Il est déjà tard. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Il est déjà tard et Satan est isolé. » Renvoie les gens dans les fermes et les villages des environs. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus répond à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Est-ce que nous devons aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent ?» Ainsi, nous leur donnerons à manger. Jésus leur dit, « Vous avez combien de pain ? Allez voir. » Ils se renseignent et lui répond, « Nous avons 5 pains et 2 poissons. » Jésus donne cet ordre à ses disciples. Dites à tout le monde de s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assoient par groupe de 100 et par groupe de 50. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne aux disciples. Alors, les disciples le distribuent à la foule. Jésus partage aussi les 2 poissons entre tout le monde. Tu manges autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux de pain et les poissons qui restent. Ça les remplit 12 panières. Et il y a 5000 hommes qui ont mangé. Un sandwich au tilapia, ça vous dit ? Si on voit tout ce qui est resté, c'est peut-être pas si fameux que ça. Le tilapia, c'est un poisson d'eau douce, exotique, inconnu donc dans nos pays, mais qui paraît-il est le poisson le plus consommé au monde. Tilapia. Et c'est probablement ce poisson-là pêché dans le lac de Galilée, qui a servi de base au repas dont on vient d'entendre parler. Tilapia. La multiplication des pains et des poissons, c'est un terme habituellement associé à ce récit, mais assez malheureux, parce qu'une multiplication, n'est-ce pas, ce sont des mathématiques. Et c'est un terme assez peu approprié pour parler des Écritures. Et c'est un terme qui n'existe pas dans les récits. Jésus n'est pas en train de faire un tour de magie. Il ne multiplie pas les pains et les poissons. Pourtant, cette histoire est capitale, centrale dans les Évangiles, parce que c'est la seule histoire qui soit racontée 6 fois. 6 fois en 4 évangiles. 2 fois chez Matthieu, 2 fois chez Marc, 1 fois chez Luc et 1 fois chez Jean. C'est bien dire l'extrême importance de ce récit. Alors pourquoi ? Parce que c'était un miracle spectaculaire ? Je ne sais pas, à mes yeux, la résurrection de Lazare, c'est largement aussi spectaculaire et ce n'est raconté qu'une seule fois. Alors, son importance est certaine, et nous allons voir pourquoi, mais il y a aussi une grande caractéristique de cet épisode, c'est qu'il provoque l'incompréhension. Ce qui nous indique tout de suite qu'il s'agit probablement d'autre chose que d'une garden party avec de délicieux sandwichs au poisson. Incompréhension, dis-je. Quelques heures après cette histoire, cette scène, Jésus dit à ses disciples, enfin c'est pas Jésus qui le dit, c'est Marc, Marc chapitre 6, verset 52, il est dit à propos des disciples qu'ils n'avaient rien compris à propos des pains. Ils étaient encore
obtus. Mot à mot, leur cœur était endurci. Mais le cœur, dans la Bible, c'est le siège de l'intelligence, pas des émotions. Ils avaient la comprenette bloquée. Ah bon ? C'était pourtant facile à comprendre. Il y avait des pains et des poissons pour tout le monde. Alors, puisqu'ils n'ont pas compris les pains, Jésus, en tout cas chez Marc et chez Matthieu, recommence l'expérience. C'est un bon professeur. Vous n'avez pas compris ? Bon, je vous le refais. Il le refait au chapitre 8 de l'évangile de Marc. Deuxième récit de multiplication des pains et des poissons. Et là, malgré la deuxième expérience, ils ne comprennent toujours pas. Et là, je vous invite à lire ce petit récit d'incompréhension parce qu'il est quand même assez savoureux. Marc 8, à partir du verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Encore une histoire de pain. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Jésus leur faisait cette recommandation : ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ils raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Il s'en rendit compte et leur dit : pourquoi raisonnez-vous en vous disant que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne saisissez pas ? Êtes-vous donc obtus ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains, les 7, pour les 4 000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? 7, lui répondirent-ils. Et il leur disait : vous ne comprenez pas encore ? J'ai pas compté combien il y avait de comprendre. Au négatif, vous ne comprenez pas, vous êtes bouchés, vous ne comprenez pas. Alors là, il est moins bon prof parce qu'il ne donne pas l'explication. Ici, c'est une assemblée pleine d'enseignants. Je suppose que quand vos élèves ne comprennent pas, vous tentez encore, même si vous avez déjà fait 2 fois l'expérience, de donner encore une explication. Là, il leur reproche de rien comprendre et il n'explique pas. Rien comprendre. Rien comprendre à la multiplication des pains. Pourtant, il n'y a rien à comprendre. Si Jésus reproche à ses disciples de ne rien comprendre et qu'il ne leur donne pas l'explication, et si c'est écrit comme cela, il y a comme une légère, discrète et subtile invitation à nous, lecteurs, de nous creuser un petit peu les méninges pour voir mais qu'est-ce qu'il y a donc à comprendre derrière cette affaire de pain et de poisson. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'une multiplication, qu'une histoire mathématique où il y a beaucoup de chiffres ? 5, 2, 7, 5 000, 4 000, 12, 7, beaucoup de chiffres. Ça a l'air d'un problème à l'école. C'est un problème pour les disciples qui ne comprennent pas. Eh bien, j'espère que ce sera moins un problème pour nous et que nous allons ensemble relire ce passage qui, j'en suis sûre, déborde d'indices pour nous donner le sens, difficile à comprendre, inaccessible sur le coup, en tout cas aux disciples, et que Jésus ne daigne pas expliquer. Mais nous sommes malins. Eh bien, d'abord, je crois qu'il y a à comprendre des choses sur Jésus. Qui est ce Jésus ? Faisant cela. Et en effet, l'identité de Jésus est au cœur du problème, parce que ce qui est raconté immédiatement avant ce récit, cette histoire de la
multiplication des pains et des poissons, c'est précisément un problème de « mais qui est celui-là » Marc 6, verset 14. Le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait « Jean, celui qui baptisait, s'est réveillé d'entre les morts. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « c'est Élie ». D'autres encore disaient « c'est un prophète, comme l'un des prophètes. » Et Hérode, le roi Hérode, en apprenant cela, disait « ce Jean que moi j'ai fait décapiter, c'est lui qui s'est réveillé. » Ça part dans tous les sens. Jésus est en train de devenir célèbre et on est en train d'essayer de comprendre qui il est. Et on a des tas d'hypothèses, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Alors, un prophète, bon, ça va, c'est encore l'hypothèse douce. Mais il y a deux hypothèses dures, extrêmes. Jean-Baptiste ressuscité ou Élie. Élie n'étant jamais passé par la mort, c'est pas ressuscité, c'est Élie de nouveau là. Entre parenthèses, vous remarquez bien que pour l'époque, la résurrection, c'est pas un problème. Hein. Ça les gêne pas du tout. C'est une hypothèse que tout le monde est capable de formuler. Même Hérode, qui n'appartient pas au peuple ignorant, qui est un homme instruit, fatalement, qui a lui-même fait décapiter Jean, il pense que c'est à nouveau Jean ressuscité en train d'agir. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Et pour répondre qu'il n'est ni Jean-Baptiste ressuscité, ni Élie, ni un prophète comme les autres prophètes, eh bien Jésus réalise le geste qui nous intéresse ce matin. Comment ça commence ? Verset 34. Quand Jésus descendit du bateau, parce qu'on a traversé, enfin, on a changé de rive du lac de Galilée, il vit une grande foule, il en fut ému. Ah, Jésus est quelqu'un qui se laisse émouvoir. Parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Le peuple... La foule, nombreuse, hein, puisqu'on sait qu'il y a 5000 hommes, hommes, mâles. Matthieu ajoute, plus les femmes et les enfants. Il y a donc énormément de monde. Et ces gens, aux yeux de Jésus, sont comme des moutons sans berger, qui n'ont pas de berger. Et que va-t-il ordonner peu après, au verset 39 ? Il ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte. L'herbe verte. C'est très joli, ça. C'est pas pour faire garden party, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, non. Pourquoi on nous précise l'herbe, pas seulement l'herbe, l'herbe verte. L'Éternel est mon berger. Il me fait coucher dans de verts pâturage. Quand Dieu est mon berger, il me fait coucher, parce que là, il ordonna de les installer. Alors, on va être plus littéral, il ordonna de les faire se coucher, parce que à cette époque, on mange couché. Il ordonne de les faire coucher sur l'herbe verte. Qui est Jésus ? Il est le berger dont le peuple a un criant besoin. Il est le bon berger qui fait s'allonger, se reposer sur l'herbe verte. Première identification capitale, très rassurante. Le peuple a enfin un berger. Deuxième identification de Jésus dans cette histoire, non seulement il les fait allonger sur l'herbe verte, mais, verset 40, il les fait installer par rangée, c'est pas en vrac, hein, de 100 et de 50. Des rangées de 100 et de 50. Tiens, tiens, tiens.
Quand on a une bonne culture biblique, comme c'est notre cas à tous, et comme c'est bien sûr le cas des personnes auxquelles, au milieu desquelles Jésus vit, des groupes de 100 et de 50, ça fait penser à quoi ? À ce qu'a fait Moïse. Exode, chapitre 18, verset 25. Dans le désert, quand il y a un immense peuple encore bien plus nombreux, Exode 18, verset 25, il est précisé que Moïse choisit des hommes de valeur dans tout Israël et les place à la tête du peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Organisation. On a un peu moins de chiffres, mais on a la même idée d'organisation par tranche, par groupe. Ainsi, par ce détail-là, entre autres, Jésus est identifié dans cet épisode où se présente lui-même comme le nouveau, ah pas le nouvel Élie, hein, pas Jean-Baptiste ressuscité, le nouveau Moïse, excusé du peu. Jésus est le nouveau Moïse qui va guider le peuple, qui va organiser le peuple, qui va le nourrir, qui va faire une alliance entre Dieu et ce peuple. Que fait-il encore toujours dans ces quelques petits versets que nous considérons ? Verset 34, on l'a déjà dit, lu, « Il se mit à leur enseigner quantité de choses. » Ça a beau être la foule du tout venant, des pêcheurs, des paysans, des moins que rien, Jésus ne considère pas inutile de les enseigner. Et puis, dans ce qu'on a lu tout à l'heure sur l'incompréhension des disciples, chapitre 8, verset 21, en lien avec cet épisode, où Jésus leur reproche « Vous ne comprenez pas encore !» Et ça s'arrête là. Marc s'arrête là. Hein ?« Vous ne comprenez pas encore ?» Point, pas d'explication. Matthieu est beaucoup plus sympathique, et dans le même épisode, on va s'aider donc un tout petit peu avec Matthieu, dans le même épisode, il ajoute une explication. C'est dans Matthieu 16, versets 11 et 12. C'est exactement le même dialogue, la même incompréhension des disciples. Matthieu 16. Comment ne pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais ? Ah bon, non, ce n'est pas une histoire de pain. Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent qu'il avait dit de se garder, non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, ce n'est pas une histoire de pain, le pain des pharisiens, le pain de Jésus de l'autre côté. C'est une histoire d'enseignement. L'enseignement des pharisiens d'un côté, ou l'absence d'enseignement de toutes ces foules, et l'enseignement que Jésus veut apporter, et apporter en abondance. Jésus, ici, se présente, décline son identité comme étant l'enseignant, avec un E majuscule, le maître de tous, des foules. Nul n'est jugé trop stupide pour ne pas avoir droit à son enseignement. Le berger, le nouveau Moïse, l'enseignant. Il y a plus. Ce que nous appelons la multiplication. Que fait Jésus très exactement ? Verset 41, Marc 6, 41. C'est très, très précis, très simple, très dépouillé. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit
les pains et se mit à les donner aux disciples. Bénir, rompre, c'est donc une division, hein. Ce n'est pas une multiplication, si on veut continuer dans les mathématiques. Il rompt et il donne aux disciples. C'est exactement ces mêmes mots qui seront écrits quelques chapitres plus loin, chapitre 14, verset 22, dans un texte que forcément vous entendez quand on utilise ces verbes-là. Marc 14, 22, dernier soir de vie de Jésus. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Prendre. Après avoir prononcé la bénédiction, béni, il le rompit et il leur donna aux disciples en disant, prenez, c'est mon corps. Dans un aussi petit livre que celui de Marc, avec seulement 16 chapitres, mettre dans deux phrases de pain, concernant des pains, un enchaînement de verbes et d'actions si rigoureusement identiques, il n'y a pas besoin de s'adresser à des lecteurs Bac plus 80 pour comprendre. Hein, pour comprendre que dans cette scène-là, Jésus anticipe, annonce, fait déjà à l'avance ce qu'il refera la veille de sa mort dans un beaucoup plus petit groupe, juste pour ses disciples. Là, il le fait pour tous. Autrement dit, identification ultime de Jésus dans cet épisode, qui est Jésus ? Il est le pain. Il est lui-même le pain rompu et donné pour la vie du monde. Le pain, Jésus est le pain qui rassasie tous, toute la foule présente. Jésus est le pain surabondant. Il y en a trop, au-delà de ce dont les gens ont besoin. Vous voyez que ce n'est pas juste une histoire de garden party. Ça, et c'est central, c'était ce qui concernait Jésus. Qui est Jésus ? Jésus, berger du peuple. Jésus, nouveau Moïse. Jésus, enseignant. Jésus, pain qui nourrit le monde. Mais il y a un autre angle de compréhension de ce passage. C'est la compréhension des disciples. Qui sont les disciples ? Ou plus exactement, quelle est leur mission ? Que sont-ils chargés de faire dans cet épisode ? Et là, il y a encore toute une série de sens très importants. Et cette fois, quand on dit disciples, on parle aussi de nous. Alors je vous invite à entendre toute cette mission détaillée ici des disciples, des apôtres, comme étant aussi, au moins en partie, la nôtre. La scène en question se passe précisément à un moment où les 12 reviennent de mission. Chapitre 6, bien sûr, verset 30, ils se sont rassemblés auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Deux verbes, ils avaient fait des choses et ils avaient enseigné. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait et qu'est-ce qu'ils avaient enseigné ? Verset 12, ils partirent et proclamèrent qu'il fallait changer radicalement. Ça, c'est ce qu'ils ont enseigné. Ils ont enseigné le changement, la bonne nouvelle du changement, la repentance, si vous voulez. Verset 13, ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des applications d'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des guérisons, ils enseignaient exactement comme Jésus le changement.
Et puis, à leur retour de mission, ils passent un moment avec Jésus. On est donc dans une situation de mission, où les apôtres sont missionnés par Jésus. Et d'une façon fort intéressante, ce récit dit de la multiplication des pains est certainement le récit de miracles où les apôtres sont le plus actifs. Ils ont plein de choses à faire. D'habitude, les miracles, c'est Jésus qui les fait tout seul, ou à peu près. Ici, les disciples, les apôtres, les douze, ont plein de choses à faire sur ordre de Jésus. Quoique, la première chose qu'ils font, ce n'est pas sur ordre de Jésus. C'est très intéressant. La première chose qu'ils font, c'est eux qui prennent l'initiative de parler à Jésus parce qu'ils ont pris conscience ou ils sont sensibles, comme Jésus qui se laisse émouvoir. Eux se laissent interpeller. Ils sont capables de capter le besoin des gens. Ça, c'est fondamental. Ce sont des apôtres, les douze, sont donc des êtres aptes à ressentir le besoin des foules, des gens, besoin que les gens n'ont absolument pas manifesté. Hein ? Verset 35, l'heure était tardive, etc. Et les disciples viennent lui dire, ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive, renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. Première qualité qu'on voudrait voir à tout disciple du Christ, cette aptitude à comprendre, à sentir et à exprimer à leur place le besoin des gens. Ensuite, il propose une solution purement très simple, très logique, pragmatique, sensée, donc de renvoyer les gens, c'est-à-dire chacun pour soi. Débrouillez-vous. Voilà la proposition des disciples. Chacun se prend en charge, n'est-ce pas ? Ils vont renvoyer pour qu'ils aillent s'acheter à manger dans les villages environnants. Ah, c'est pas comme ça que Jésus voit les choses. Le chacun pour soi, c'est pas le cœur de l'évangile, absolument pas. Que dit Jésus ? Donnez-leur vous-même à manger. Voilà la mission confiée par Jésus à ses apôtres. Donnez-leur vous-même à manger. Mais oui, ces gens viennent nous le dire. Ils sont comme des moutons qui n'ont pas de berger. Comment voulez-vous qu'ils se prennent en charge ? Comment voulez-vous qu'ils se débrouillent par eux-mêmes ? Ça serait complètement incohérent dans la perception de Jésus. Et dans la perception que Jésus invite ses apôtres à adopter, à avoir. Ils sont déjà sensibles aux besoins des gens, il faut encore qu'ils aillent plus loin et qu'ils soient aussi sensibles au fait que les personnes ne sont pas capables de se nourrir elles-mêmes. Elles ne sont pas capables de se débrouiller par elles-mêmes. Stop à l'individualisme. Donnez-leur. Nous avons une mission de don. Une mission de générosité. Il n'y a qu'un verbe, donner, donner. Mission de responsabilité, c'est vous-même, donnez-leur vous-même. Allez pas demander à quelqu'un de leur donner à manger, donnez-leur vous-même. Mission de responsabilité, et puis à manger, donc mission. Les apôtres et chacun d'entre nous, nous avons une mission nourricière. Nourricière, une mission vitale. Donner à manger, c'est faire vivre. Donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi j'ai choisi, je vous ai dit qu'il y avait six récits de multiplication des pains, pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Parce que dans Marc 6, il y a un détail magnifique que Marc est le seul à rapporter. Juste avant, au verset 31,
Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, et ils, c'est-à-dire les disciples, les douze, n'avaient pas même le temps de manger. Et trois versets après, il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Eux, les douze, sont pris dans une telle activité qu'ils n'ont pas le temps de manger. Autrement dit, Jésus donne l'ordre de donner à manger à des gens qui eux-mêmes sont en déficit de nourriture. Il leur demande de donner ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Donner à manger, eux n'ont même pas le temps de manger. C'est un détail savoureux, évidemment, comme tout ce qui se mange. C'est très bien pensé, c'est très fin, extrêmement intelligent. C'est le cœur de notre mission. Nous avons à donner quelque chose que nous n'avons pas, quelque chose sur quoi nous-mêmes sommes en manque. Bon, ça n'a pas l'air de les affoler, hein? Bon, d'accord, on va donc aller acheter pour 200 deniers de pain. 200 deniers, ça ferait quelque chose comme 7-8 000 euros aujourd'hui. On dirait qu'ils ont l'argent à disposition, ça n'a pas l'air de les effarer. Bon, c'est bien qu'ils ont de l'argent, il y a une cagnotte. Hein. Bon, bref, ils ont des solutions pragmatiques, mathématiques, etc. C'est très bien, c'est gentil, mais le pain de Dieu ne s'achète pas. Le pain de Dieu ne s'achète pas. Ni 200 deniers, ni 3 000 deniers, ni des euros, ni des francs, ni des dollars. Le pain de Dieu, ça ne s'achète pas dans les boutiques, même dans les bonnes boulangeries. Il y a une parole, un verset magnifique d'Ésaïe 55, où Dieu demande « Venez acheter du pain sans argent. » C'est à peu près ça. « Nourrissez-les sans argent. » Que doivent-ils faire ? Combien de pain avez-vous ? Allez voir. Combien de pain avez-vous ? Allez voir. Alors, ils n'ont pas absolument rien. Il y a quand même une matière première. Mais une matière première qu'il faut aller chercher. Allez voir. Allez voir. Vous êtes resté encore trop superficiel. Il va falloir creuser en vous pour aller chercher vos ressources réelles, non pas financières, vos ressources plus intimes, plus profondes. Allez voir, allez un peu chercher et creuser, qu'est-ce que vous avez ? Et une fois, quand ils cherchent et qu'ils creusent, après s'être informés, ils trouvent, ils ont. Bon, ils ont, on le sait, 5 pains et 2 poissons. Ce qui, alors, c'est des gros pains, des petits pains, j'en sais rien. Des pains quand même qu'on peut rompre, mais bon. Peu importe, on peut quand même assez probablement en déduire que cette quantité de nourriture est si faible qu'elle ne suffirait même pas à les nourrir eux-mêmes, eux les 12. Ils ont des ressources infimes, dérisoires. Ils ont dû aller creuser, aller voir pour les chercher. Ils les ont trouvées, d'accord. Mais elles sont complètement disproportionnées par rapport à la tâche ordonnées par Jésus. Elles sont ridicules, elles sont totalement insuffisantes, mais elles existent. Elles existent. Nous avons des ressources infimes, mais que Jésus nous demande de mobiliser. Et enfin, ils ont bien sûr l'ordre de faire disposer la foule, de les ranger, une mission d'organisation. Ils font énormément de choses dans cette histoire. Et puis, par rapport au pain, quand Jésus le rompt, le donne aux disciples, et eux doivent simplement, font les intermédiaires, et le présentent, l'offrent, un verbe très simple, basique, le présentent aux autres. Tant qu'on propose aux autres et qu'on ne garde pas pour soi ce dont on n'a pourtant aucune réserve, eh bien, il y en a.
tant qu'ils sont en train de donner à la foule, ben, il y a du pain et il y a des poissons. Je pense que s'ils s'arrêtaient de donner et s'ils regardaient les réserves, ils ne verraient rien. Tant qu'ils sont en train de donner, ou en train de présenter, eh bien, il y a quelque chose à présenter. Et c'est ça le miracle. Jésus est un pain inépuisable qu'on peut offrir aux foules, même quand on a nous-mêmes faim de lui. Au verset 42, il est précisé que tous mangèrent. Et alors, mangèrent, c'est bien, mais après, il y a une suite fort intéressante, et furent rassasiés. Rassasiés, c'est quand on n'a plus faim du tout. D'accord ? Parce qu'on peut manger, vous savez, quand on fait la Sainte Cène, on n'est pas rassasié, vous êtes d'accord, hein ? On a mangé. On a mangé, on a bu, on n'est pas rassasié. Là, ce jour-là, chacun, tous, après on nous dit le chiffre énorme, tous mangent, c'est bien, mais surtout sont rassasiés. Et je pense, c'est pas précisé, mais je pense que les apôtres eux-mêmes sont concernés. En faisant leur action, eh bien, eux aussi mangent et sont rassasiés. Le tous, il n'y a aucune raison qu'il exclue les apôtres en train d'agir. Le tous sont rassasiés, j'en suis sûre, inclut les apôtres. Ils se nourrissent en nourrissant. Ils n'ont aucune avance sur les autres. Ils n'ont aucune réserve personnelle. C'est parce qu'ils sont en train de donner ce qu'ils reçoivent au fur et à mesure qu'eux-mêmes se nourrissent de cette action et de ce qu'ils sont en train de faire. Et enfin, leur dernière mission, c'est d'emporter 12 paniers. Alors, faut pas utiliser le mot « les restes hein. ». D'abord, c'est un mot horrible, et puis ça fait encore mathématique. Vous savez, la division, je pose, il reste. Non, là, 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 là. Arrêtons. Il n'y a pas le reste. Il y a les morceaux. C'est pas un mot. Ouais. En fait, c'est les fractions. Jésus a rompu, a fractionné, et le mot de ce qui va dans les corbeilles, c'est le même, c'est le substantif de ce verbe. Donc c'est les morceaux, d'accord. Mais on n'entend pas en français. Faudrait dire, puisqu'il rompt le pain, ce sont les ruptures. Ça va pas du tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vont dans les paniers. C'est pas le reste. C'est directement issu de ce que Jésus a rompu. 12 paniers, 12 apôtres. Alors là, c'est limpide, c'est facile, je crois. C'est déjà l'embryon de la suite de la mission. Chacun a son panier. Ils emportent 12 paniers, donc chacun un panier. Un panier plein de précisément ce que Jésus a donné et que, symboliquement, est l'annonce de la suite de cette mission de nourrir les foules aussi longtemps qu'il y aura des foules à nourrir. Pas de réserve, pas de stockage. On n'a pas d'autre pain que celui qu'on est en train de donner. Ne soyons pas timides ou hésitants lorsqu'il s'agit d'obéir à un ordre de Jésus, à l'ordre de Jésus de nourrir le monde. Ne croyons pas que cet ordre n'a été donné qu'aux douze premiers. Il est donné à tout disciple du Christ. Nous avons l'ordre, donnez-leur vous-même à manger. À manger de toutes les nourritures dont le monde a faim et dont parfois il ne sent même pas qu'il a faim. Où il ne sait pas qu'il a faim de telle ou telle nourriture encore meilleure. Inutile de prier Dieu pour qu'il nourrisse les pauvres. Ça, c'est une prière. Pardon, j'enlève l'adjectif qui me venait. Ça serait insultant pour nous qui faisons souvent cette prière. Nous n'avons pas à faire cette prière. Nous n'avons pas légitimement le droit de faire cette prière. Nous avons l'ordre de donner nous-mêmes à manger au monde. Ce n'est pas la peine de demander à Dieu de le faire. Il nous a chargés de le faire.
Nous nous sentons démunis? Je vous confirme, nous le sommes. Nous manquons de ressources? C'est certain. Nous avons faim nous-mêmes? Eh bien oui, et c'est encore mieux. On ressentira mieux la faim des autres. Mais nous avons des ressources, cachées, un peu enfouies et surtout dérisoires, mais nous les avons. Et Jésus nous demande de les solliciter, de les sortir de leur cachette et de les mettre, de les offrir à disposition. Confions à Jésus le dérisoire, même si ça nous paraît nul, que nous avons. Laissons-le rompre le peu que nous avons. Oh, ça va se perdre. Non. Laissons-le briser nos maigres ressources. Décentrons-nous de nous-mêmes. Occupons-nous des autres. Rangeons-les, enfin bon. Comptons-les, voyons un peu qui ils sont, combien ils sont, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, faisons-les faire ceci, cela, organisons-les. Occupons-nous d'eux plutôt que de nous-mêmes. Obéissons au Christ. Et tant que nous serons en train de donner, nous aurons de quoi donner jusqu'à satiété. La satiété des autres est notre propre satiété. Amen. Thank you.
Eh bien, merci beaucoup, Anna, pour ce beau moment musical que nous avons pu avoir. J'aimerais maintenant nous inviter tous à passer à l'action et à donner. Et j'invite les diacres à s'avancer pour recueillir tout ce que nous avons préparé. Nous. Notre Père, tu pourvois à nos besoins. Si nous sommes là, vivants, en santé correcte, c'est parce que tu nous bénis chaque jour abondamment. Non seulement tu pourvois à nos besoins, mais c'est même bien souvent au-delà de nos besoins. Merci pour ta générosité. Nous ne voulons pas te prier pour ceux qui ont des besoins, mais te prier pour que nous soyons plus sensibles et plus généreux envers les besoins des hommes, des femmes, des enfants que tu nous as confiés. Parce que tu nous veux à leur service, tu nous veux auprès de chacun de nos frères d'humanité. Tu nous veux à l'action, tu nous veux dans le don. Que nous ayons ou que nous n'ayons pas, ce sont tes propres biens que nous dispensons. Et toi, tu es généreux. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique du don et de la nourriture des hommes, du monde que tu aimes et que tu nous confies. En Jésus, amen. En guise de conclusion, nous chanterons donc ces dernières paroles. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger.
Votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que la paix de notre Dieu nous accompagne. Bon sabbat.